Alors que Cyril Ferraud a réalisé de véritables cartons d'audience aux commandes de l'émission 100% Logique, qui fut programmée durant un mois tous les samedis soirs en prime time sur France 2, les téléspectateurs de la chaîne publique vont avoir l'occasion de découvrir un tout nouveau jeu, incarné par deux visages emblématiques des antennes de France Télévisions. En effet, samedi 1er avril 2023, Bruno Guillon et Nagui vont présenter le premier numéro de l'émission intitulée « Votre vie en jeu », à partir de 21h05. Ce 1er avril, avec Bruno Guillon et Nagui, vos vies deviennent de grands jeux, et la finale de ce jeu pourra changer votre vie. Et ce n'est pas un poisson. A précisé France 2 dans un communiqué. Organisé, observateur, passionné de sport, de musique, de lecture, de voiture. Les habitudes, goûts et qualités des candidats dans le public de votre vie en jeu vont leur permettre de remporter de nombreux cadeaux. Pour la première fois à la télé, des animateurs mouillent la chemise pour aider les candidats. Ils vont tout subir, tout endurer pour les candidats et participer à des épreuves drôles et déjantées. Ils vont par exemple se jeter contre une porte, risquer une douche tout habillés, tomber, mimer, et tout cela pour permettre à leur public de remporter des cadeaux, a ajouté la chaîne publique. Votre vie en jeu, jusqu'à 2 000 euros par mois pendant 10 ans pour l'un des candidats en finale, un candidat va bouleverser sa vie et peut remporter jusqu'à 2 000 euros net par mois pendant 10 ans, tout simplement en répondant à des questions sur sa propre vie, son prénom, celui de sa maman, sa taille, son dessert préféré. Point d'exclamation. Encore faudra-t-il être très concentré pour ne pas se tromper. Une grande folie pour rire et s'amuser autour de votre vie, a finalement conclu France 2. Pour rappel, Bruno Guillon et Nagui sont quotidiennement aux commandes de deux des programmes les plus populaires de la chaîne publique, étant donné que le premier présente le jeu chacun son tour tous les matins, tandis que le second incarne l'émission N'oubliez pas les paroles chaque soir depuis 2007. I think